Le peintre m'a dit « J'ai simplifié les fleurs n'en gardant que le cœur. » Je n'ai pas demandé « Au pied de quelle dame se meurent les pétales ?» J'ai visité son atelier et j'ai rencontré les belles. La rose, beaucoup penchée. La bleue, lovée en son plaisir. La nageuse impudique. La femme, chair et ciel. L'angélique. Et j'ai su pour qui il avait effeuillé les corolles. Dans un coin, un chat rieur digérait un poisson. Le peintre, qui lui reste quoi? Sa surface, c'est-à-dire la hauteur, la largeur et ses couleurs. On ne peut pas sortir de là, et c'est d'ailleurs ce qui fait la valeur du travail du peintre, c'est la couleur, essentiellement la couleur. Et la manière dont on organise cette couleur sur une toile. Le sujet est tout à fait secondaire, il disparaît devant la toile qui a sa propre loi. Et l'essentiel dans une peinture, c'est ce qui est humain. Donc, le sujet reste quand même une valeur, même si on le transforme. Assise au fond de l'eau, elle chante pour son enfant, petit poisson malin au berceau de son ventre. Médusée, je la vis sortir de l'eau en turbanée de lune. Tout en elle était oiseau. L'œil ailé de son ventre nacré, ses seins en mouette déployés, la barque de ses bras levés pour un envol de liberté. Une peinture est terminée quand je ne peux plus rien enlever dessus. On est constamment entre un choix difficile, supprimer, ajouter, travailler. Ça, c'est le travail du peintre. Mais alors, dit l'enfant, à quoi ça sert d'être Dieu? Pourquoi supprimer totalement le sujet? Puisque la peinture a son propre langage, si en plus elle représente un sujet qui s'y prête, c'est une clé de plus qui permet de rentrer dedans. Donc ça me paraît totalement aberrant, même si le sujet est secondaire, de le supprimer, puisque c'est une clé qui permet de rentrer dans l'œuvre. Si je devais un jour choisir un lieu où mourir d'amour, je choisirais ce petit port où tout est si parfait qu'avant même d'être morte, je me croirais arrivée au ciel. Lorsque je fais une toile, j'essaie de la construire comme si c'était la seule que je ferais de ma vie. Mon atelier, c'est mon navire avec lequel j'ai entrepris mon long voyage vers l'absolu. Compagnon de mes espérances et de mes doutes, il m'amène dans d'incroyables escales d'azur, de sable et de soleil d'or. J'aime son odeur, sa lumière, sa cargaison qui témoigne de la route accomplie. Mais il faut sans cesse reprendre la mer, vers de lointains rivages que je n'atteindrai jamais.